Hello. Hello, hello, hello. Comment je vais partager le live là? Le téléphone n'a pas le réseau dehors. Ah là là. Le téléphone n'a pas le réseau dehors. Pardon, partager. Vous savez qu'on n'est pas encore nombreux ici. Le téléphone n'a pas le réseau dehors. Les bonnes choses ici là, les bonnes choses, veuillez partager sur cela de la mort. Oui, je vais goûter, attendre d'abord, je vais le montrer. Et ce couloir de la mort, je suis au couloir de la mort, 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 au couloir de la mort de ça. Je vais vous montrer le vrai couloir de la mort. Regardez, je suis au Gabon ici là, je me sens comme au Gabon. Aïe, aïe, aïe. La Tunisie, c'est l'Afrique. Oh, le goût de ça, le goût d'être en Afrique. Le soleil, les bonnes choses. Je cherche le rouge à lèvres, non, je n'ai plus le rouge à lèvres. Je suis bien comme ça, rouge à lèvres. C'est pas grave. Alors, ma première journée aujourd'hui était magnifique, comment magnifique. Le téléphone va même s'arrêter. Je suis avec mon guide. Je suis avec mon guide. Amen. Amen. Sonia, c'est pour toi. Voilà. Salut Sonia. Je suis là, c'est de manger les sociétés. C'est un peu piquant, mais elle va essayer ça. Elle peut essayer. Regardez ça. Ok. J'ai payé le beau sac en cuir là ici. J'ai passé de bons moments. Magnifique avec sac en cuir. L'original fait. Okay. Fait à la main. Fait à la main avec une belle paire de chaussures. Sac en cuir, j'ai payé ça ici. Magnifique. Alors, attendez, je vais vous montrer le couloir de la mort. Il y a les coupés coupés. Ils ont une espèce de coupé coupé ici. Tu vas commander la viande. Tu vas donner la vente, tu fais ça, les coupés coupés. Je me suis habillée, ça s'appelle la mort là. Donc c'est pour venir manger au couloir de la mort parce que j'ai dit à mon guide qu'amène-moi manger les spécialités tunisiennes. Alors, il m'a dit que ça c'est limonade. Limonade, oui. C'est fait main. Vraiment, voilà, c'est délicieux, c'est frais. Limonade fait maison traditionnelle. Oh putain! Ah, ça, c'est la limonade. Il y a du gemgem dedans. Il y a du gemgem, du citron. Citron, oui, c'est vraiment du citron avec du sucre, un peu de sucre, c'est pas de beaucoup. Hein. Regardez la salade traditionnelle. Huile d'olive. L'huile d'olive, comment on appelle ça? La salade tunisienne, salade michouïa. La salade michouïa. Ouais. On mange ça avec le pain, après ils amènent sur les coupés. Le régime de ça, le régime de ça, c'est pimenté. On a fait ça le matin. On allait se balader dans une ville là. On m'a attrapé. Tout le monde qui me maquillait, je suis venu là avec les mains maquillées, je ne sais pas comment ça va finir. Je suis les mains maquillées. J'adore le tourisme. Regardez. C'est bon. Regardez le monde de couleur de la mort. Regarde comment les gens sont. C'est comme à Libreville. C'est comme voici mon guide. Il est trop magnifique, il est trop gentil. Je vous amène là où il y a les coupés coupés. Je vous amène là où il y a les coupés coupés. Comme au pays, hein. C'est vraiment, tu sens l'Afrique, hein. J'ai comme l'impression que c'est à Libreville. Je suis Libreville tunisien. Je suis à Libreville en Tunisie. Les coupés coupés. Regardez. Ah! Regardez, avec le poisson comme au couloir de la mort. Regardez les rues, ça me fait changer la France. Regardez, on dirait que c'est à Libreville, on dirait que c'est à Québec. Je suis à Québec ici, je suis à Québec. Je suis à Québec. Ça, c'est la Tunisie. Oh. Ça, vraiment, l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique. Le paysage africain est pareil, identique, peu importe le pays. On dirait que je suis à Québec quand je regarde le quartier là. C'est comme si j'étais à Québec ou bien là à droite. Regardez bien même vous-même. C'est comme si on était là à droite ou bien à Québec là où il y a les bars là. C'est vraiment pareil, le même paysage. Il ne fait pas froid, c'est bien. Mais je suis désolée, je suis venue sapologie. Je suis habillée sapologie. Je ne savais pas que c'était un coin de bangando, sinon j'allais mettre le bangando. Je suis venue avec ma robe rouge là, sapologie avec les talons. J'ai dit qu'amène-moi manger les spécialités. Et voilà moi qui commence à me mettre les talons.
au lieu de venir en Bangando. Donc là, j'ai raté, j'ai fait un faux pas. Je ne me suis pas adaptée. Je ne me suis pas adaptée à l'environnement. S'il m'aurait dit qu'on va... Salut. Voilà. Voilà, cousin, je suis là. Je suis allée monter mon peuple. Là, 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 à droite. Vous avez vu, non? C'est comme là, là, à droite, non? Est-ce que vous pouvez savoir que là, ils sont utilisés, là? On dirait qu'on est au couloir de la mort, là, là, à droite. Vraiment, comme je vous dis, l'Afrique est vraiment pareil. Hein. Le paysage africain, il est identique. Même la ville où il m'a amené aujourd'hui, là, c'est à propos le souffle, quand je vais vous montrer les photos, c'est... Oh, on était à côté du palais présidentiel, hein? Le matin, à ce niveau-ci. Voilà. On était en face du palais présidentiel. Bien, le bon coucher de soleil. Donc là, ils sont en train de boire. Voilà, ça, c'est leur Fanta, oh. Par contre, il n'y a pas les bières, mais moi, je ne bois pas la bière. Oh, le régime est cassé, oh. Quand je pars dans les voyages comme ça, le régime est cassé. Il est bon, hein? C'est pas piquant. C'est pas piquant, moi j'ai rien de piquant. C'est délicieux. C'est trop bon. J'attends la viande. Le huit d'olive, j'attends la viande, je vais leur montrer la bonne viande et couper, couper. Je vais vous montrer la bonne viande et couper, couper. Là. Oui, voilà, là. Je suis allé là. Je suis arrivé à Libreville hier. Donc, c'est à Libreville. Monsieur le président de la République, venez m'attraper. Regardez, je suis au couloir de la mort là. Je suis au couloir de la mort. Je suis en Afrique. C'est fort, non? Ah, c'est pas fort, c'est bon. Oui, je récupère après. Je suis au couloir de la mort, oh. Venez profiter. Venez. Venez, on va profiter au couloir de la mort, on va manger. Oh non, je suis trop contente. Même l'odeur. C'est quand même l'odeur africaine. Demain, je continue. Et oui, les oui. Donc, je voulais vous montrer le couloir de la mort. C'était juste la petite vidéo. Et vous montrer le beau sac en cuir que je me suis fait offert ici, là. Avec la robe que j'ai achetée là, ça s'appelle comment? Djellaba pour les mariages. Ah, j'ai acheté une robe djellaba pour les mariages. Djellaba pour les mariages et donc les robes traditionnelles là. Avec le sac, avec la chaussure, à peu près 100, c'était combien? 150, hein? 150, il m'a laissé à 150 euros, il m'a laissé à 130 euros. La marque de salle originale, 130 euros. Donc là, je ne vois pas Louis Vuitton, hein. J'ai mon sac, le vrai cuir, à 130 euros. Yes. Regardez, c'est pas magnifique. Comment vous le trouvez? Comment vous trouvez ma merveille? Vous trouvez le sac là comment? Vous trouvez mes 130 euros comment? 130 euros, le vrai cuir. Le vrai cuir. Bon, je ne sais pas si je me suis fait anarcher, mais bon. Moi, je ne suis pas là pour trop discuter. Et puis moi, quand quelque chose me plaît, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête quand j'ai un coup de foudre, je prends. À la santé de la limonade tunisienne. Si j'essaie d'analyser les composants de cette limonade, je dirais qu'il y a du citron dedans. C'est quoi le produit blanc là? Du citron. Du citron. On coupe comme ça. Oui. Et après on râpe. On râpe, oui. D'accord. On rajoute, on fait tirer le jus. Tirer le jus, voilà. Ouais. On rajoute du sucre. Du sucre. Comme ça. Donc c'est juste du citron avec du sucre. Ouais. C'est ça qui fait la limonade. Oui, c'est ça. Vous avez compris la recette?
citron et sucre, limonade tunisienne. Mais dis donc, ça promet. C'est pas le jus seulement du citron, tout le citron, faut presser, faut casser, je sais pas. Il faut tirer le jus là. Et puis j'ai pris la belle robe là. Vous partez sur mon compte Instagram, j'ai posté ça là-bas. J'ai posté la robe là-bas sur mon compte Instagram avec la belle robe que j'ai fait là aujourd'hui. Là. J'étais très belle dedans, très magnifique. J'ai essayé la rose, mais après quand elle est revenue, j'ai pris la rouge. Donc j'étais très très magnifique dedans. C'était 640 dirhams. 640, c'est dira, non? On y dira 640 dirhams, ça fait 100, 150 ou 100 combien. Ici là, pour convertir, il faut diviser le dirham par 3. Je vais finir par connaître à convertir tout l'argent du monde. C'est bon, hein? Si j'avais la vallée là-dessous, j'allais amener ça en France. Mais je vais essayer ça là-bas. J'attends les coupés-coupés, je vais vous montrer les coupés-coupés. On a commandé les coupés-coupés. Amine, Ahmed, ça met combien de temps? Quoi? Les coupés-coupés là, ça met combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Parce qu'il y a des priorités. Ah, d'accord. On part un quart d'heure, on mange des viandes comme ça et on y va. Ok, ça marche. Parce qu'il ne faut pas que je mange après 22 heures. Il est quelle heure? 20h37. Ouais, c'est trop. Faut pas que je mange après 21h et 2h. Oui, on attend. Après minuit, il faut boire après de l'eau. Pour mon régime, je ne mange pas après 21h. Je mange une espèce de salade tunisienne. Alors, je vous dis ce qui est là, c'est l'aubergine. L'aubergine avec l'huile d'olive. C'est ça la salade, l'aubergine, l'huile d'olive. La salade tunisienne, c'est l'aubergine avec l'huile d'olive. En fait, c'est la bonne salade. Vous voyez comment je mange la salade européenne là, ou les feuilles de mouton là, je ne mange pas ça. Et vous remontez le couloir de la mort avec les viandes qui pendent. Qui pendent. Alors, pas mon visage. Tu me filmes, hein? Tu me filmes, je te filme. Dis bonjour au Gabonais. Bonjour, bonjour. Ouais. Pour manger, tout. Tu es le meilleur guide de la Tunisie. Et c'est avec une star. Je lui ai fatigué toute la journée avec les photos. Je lui ai fatigué toute la journée. Toute la journée. Photo, photo, photo. Il dit, si tu as besoin de photos, il faut me demander. Il dit, Katan, on va aller sur la reine de photos. Faut pas t'inquiéter. On fait pas de photos. Il est trop gentil. En fait, quand je suis ici, là, non, j'avais d'abord les... J'avais quand même la... J'avais quand même un doute de venir en Tunisie, vous savez, un peu avec les pays, comme on dit, non, c'est les pays, bah, voilà, danger. J'avais un doute quand je suis arrivée, je ne vais pas parler pour les gens, c'est moi, mon ressenti, c'est que les gens me regardent, ils sont étonnés, même, hein. Donc, non, les gens, en plus, moi, je pars partout, parce que ça s'appelle la mort, là. Je m'habille, ça s'appelle la mort avec les talons. La journée, j'étais en talons. Obligée de faire. Obligé, non, j'ai acheté le sac là, ils m'ont offert les babouches de Fatima. Ils m'ont offert les babouches de Fatima, obligé. Ils m'ont offert les babouches de Fatima là. La reine, je ne sais pas. Fatima, c'était qui, hein? Je ne sais pas, mais la reine de Fatima pour contre le mauvais œil. Contre les mauvais œil. Donc. Mais je n'ai pas ressenti, ma première journée en Tunisie, je n'ai pas ressenti l'effet.